Et salut tout le monde, c'est MultiCrafter06, on se retrouve pour l'épisode 2 de Captive Minecraft. Donc j'espère que vous allez bien, bon, en tout cas ça va super comme d'habitude. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir ce coffre, c'est parti. Alors, on a sûrement le journal du jour 30 et quelques. Jour 29, ok, donc on a littéralement grillé les étapes. Ma pelle a cassé aujourd'hui, mais j'ai trouvé l'ancien monument. Buried deep in the snow, donc buried, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Sûrement enterré en dessous dans la neige. Si j'ai juste de quoi trouver, je pense, des blocs de clés et 10, je sais pas ce que c'est, je pourrais sûrement restaurer donc le monument avec les pierres originales. Du coup, bah voilà, en gros faut qu'on fasse le monument. Hop. Ok, on a des pousses d'arbres, des arbres différents, bon, ça sert un peu à rien, mais tant pis. Alors on va poser tous les trucs qui ne servent à rien, ça, et on va garder le reste. Ah non, ça ne sert à rien. On va remettre les livres dans l'ordre, voilà, comme ça ils sont dans l'ordre, et on va faire les autres objectifs. Mais quels sont les autres objectifs? Telle est la question. Alors, je pense qu'on peut commencer à se faire un petit champ, vu qu'on a de l'eau juste ici. Ouais, je pense qu'on peut se faire ça. Attendez, qu'est-ce qu'on a comme objectif? On a quoi? Faire du pain, faire du gâteau, donc tuer une vache, pas de vache. Duel de sniper, c'est pas trop possible. Ou alors, faut que j'aille miner pour trouver du diams. Je pense qu'on va aller miner pour trouver du diams. C'est parti. C'est parti. Objectif diamant pour cet épisode 2. Ce serait cool, à mon avis ce sera pas trop difficile d'en trouver, je pense. On va faire cuire. Merde. Je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu, il faut que je torche. Alors on va se faire cuire du coup ça. C'est tellement horrible de voir un bloc de fer juste derrière. Je suis sûr que ça va être pareil pour le diamant après. Donc, alors, on va continuer à creuser par ici. Je pense que c'est bien si on creuse par ici. Ah bah, cool, du fer. Ok, on avait qu'un seul. Donc, on va voir si on trouve notre spawner à zombies. À mon avis, il doit être un peu plus loin. Genre, faut qu'on agrandisse la bordure pour le trouver. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Parce que avoir un spawner à zombies dès le début, c'est un peu cheaté. Donc, on prend le charbon, hein, parce que c'est quand même cool. Il a l'air d'être par là plutôt le spawner à zombies, je l'entends. Donc on va continuer de creuser, à moins qu'il soit en dessous. On verra bien. Hop. Ouh là là, là j'entends masse zombie. Ouais, j'entends masse zombie. Okay, donc on arrive dans le coin. Ouais, j'en entends vraiment beaucoup. Ok, on a de la cobble, ça sent le spawner qui va être galère à exploiter, donc on va tuer les zombies comme ça. On a tellement... Attendez. Juste faire un petit truc. Option. Musique et son. Et on va baisser... Non, je vais baisser mon son, tout simplement. Ça, vous le voyez pas, je crois, avec action. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Je baisse encore, voilà. Là, c'est bien. Non, un peu plus, en fait. Ok, là j'ai coupé le son carrément. Voilà. Allez les amis, c'est l'heure de mourir. Oh non, mais Jimmy, tu vas pas te rajouter. Oh, j'ai un zombie qui m'a looté un lingot de fer. On va mettre une torche. J'ai vu que ça spawnait, je sais pas trop où ça spawnait, mais... Bonjour. Y'a personne. Ah mince, je peux pas ouvrir ce coffre. Ah, c'est juste à côté. Bon. On a notre spawner au moins. Voilà, il est bien éclairé. Va falloir qu'on bouge notre four encore. Hein. Qu'on bouge notre four. Tant que c'est un four, ça va. Hein. Comprendront ceux qui comprendront. Hop. Voilà. Alors ici, on a toujours rien. On a un coffre juste là encore. On a masse coffre, mais ça m'énerve parce que on peut pas les trouver et je vais les oublier.
Donc on va remonter chercher notre four. Notre zone s'agrandit de plus en plus. Donc maintenant, il nous faut du diamant. Je pense qu'il faut qu'on aille en Y11. On est en Y192. Et heureux tout le monde. Donc on se retrouve. Alors j'ai un petit bug bizarre. En gros, j'ai appuyé sur plusieurs touches en même temps et j'ai changé la résolution de mon écran. Du coup, bah, ça a arrêté le rec. Donc voilà, c'est reparti. On redescend. C'est reparti pour un tour. On va du coup bientôt aménager, enfin je sais pas quand, mais aménager ce spawner. Oh là là, je baille en même temps. Je pense qu'on va se mettre notre four. Par ici, c'est bien, par ici, à côté de la petite fleur, comme ça. Il va se sentir bien notre four. Faut qu'il soit en bonne condition. J'étais totalement n'importe quoi. Alors, ici on n'avait rien, donc on va continuer de descendre. Hein. Donc on est en Y192. Donc c'est un peu chiant parce qu'on va devoir... on va galérer pour descendre. Jusqu'en Y11 pour trouver du diamant. Donc je pense que l'objectif diamant ce sera un peu plus tard. Ok, on a un truc là. On va descendre. Ok, donc on a de l'eau ici, donc on va se faire un saut après. Là ça continue de descendre. Ok, on a une éponge. J'ai cru que c'était un slime bloc, un slime. Ça aurait été super pour faire des systèmes, mais bon, tant pis, on en trouvera peut-être plus tard, je sais pas, hein. Avec un peu de chance on est dans un chunk à slime. Hop, donc là on commence à avoir pas mal de fer. On va se faire un seau et une épée en fer, je pense. Ouais, une épée en fer. Épée en fer, je pense. Ouais, ok, on va continuer du coup. Il faut qu'on trouve notre diamant. Je sais pas si on va finalement le trouver. Je pense qu'on va peut-être faire autre chose parce que là c'est un peu loin, parce que je crois que du coup on va griller les étapes en fait. Ouais, je pense qu'on va, ouais, vous savez quoi, on va se faire notre champ, et pendant qu'il va pousser notre champ, on va aller miner le diams. Vous devez rien y voir là. Donc bon, vous savez quoi, on va remonter. Nous allons remonter. Hop, je sais pas si c'est très bien que je creuse en bordure ou pas. Bon, j'en sais rien, on verra bien. Alors faut que j'attende juste qu'il y ait ça qui cuise. Je pense que je vais me faire des jambières. Voilà, ouais, bon, non, je vais garder mon fer. On va se faire du coup, en attendant que ça cuise, la canne à spéchas. On va comme ça se faire un petit poisson. J'ai oublié mon fil. On va laisser le four ici, on revient après de toute façon. Puis on s'en craftera un deuxième en haut. On a déjà un stack de cobble. On sert à rien, mais c'est cool. Oh merde. Ok. Bon, c'était prévisible qu'il me défonce la gueule. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Ça agrandit un peu notre zone. Ah là là. Quel tardos. Bon, c'est pas grave. Hein. Franchement, là, qu'il explose dans les mines, on s'en fout. Je savais qu'il allait pas me tuer. Il a juste défoncé mon armure, je pense. Et bon, vu que c'est une armure pourrie et qu'on va se faire un full fer bientôt, c'est pas grave. Alors, on a de l'argile. Je sais pas à quoi ça sert. Ni à quoi ça va nous servir, à part à faire des pots. Si, il va nous faire des toilettes. Non, je rigole. C'était de la merde, cette blague. Alors, on va du coup enchaîner sur, je pense, un petit coffre. Ah non, on l'avait déjà ouvert, lui. Donc le prochain coffre, visiblement, c'est... Ah non, c'est lui. Il faut qu'on pêche là-dedans. On n'a pas tellement la place de pêcher. Peut-être qu'il faut qu'on pêche, du coup... qu'on pêche en bas. On va se faire une table de craft. Pardon. Excusez-moi. Hop, donc on va essayer de pêcher dans le tout petit lac qu'on avait en bas. Et on va voir, bah, si ça marche. Hein. Sinon tant pis. Ça ne sert à rien de remonter du coup. Mais l'arme ne veut pas pousser. Ah si, on devait faire les champs. Mais bon, vas-y. Non, je sais pas. On va pêcher. Je sais pas, il y a plein de trucs que je veux faire, que je dois faire.
Bon, le diamant, clairement, ça va être difficile de l'avoir dans cet épisode, je pense. On n'a pas les trucs à faire cuire, non, on n'a rien. On va commencer à manquer de bouffe, donc on aurait peut-être dû faire les champs, tant pis. On va pas revenir sur nos idées. Alors, ah mais oui, mais on peut agrandir notre notre lac ici. Pour se faire un petit endroit pour pêcher. Ok, donc on va agrandir ça. Hop, histoire de bien pouvoir pêcher jusqu'à la bordure, je pense. Ok, donc voilà, on y est. C'est pas, attention, la bordure elle est pas énorme. Donc alors on va faire notre aire de pêche ici. Ah non, en fait elle était là. Hop, voilà, on va la faire sur 3. On a bien la place de pêcher. Si on voudra pêcher, ce sera ici. Après on aura nos petits lacs beaux et tout en hauteur. Enfin, en surface, mais là, on n'a pas tellement la place, donc on fait ça en grotte. Hop. Ah, ma pioche en fer va bientôt casser. Je m'en offrirai une, vous inquiétez pas. Hop. Ah, d'ailleurs, pour info, on va parler des petits trucs de la chaîne en attendant. En ce moment, je joue pas mal sur Epic Cube. Donc, il y a un abonné qui l'a remarqué. Vu mes stats sur Epic Cube. J'avais aussi tenté de vous faire un défi en Fight Club dès que c'était sorti en fait. À la pioche, mais j'avais tryhard, mais j'avais pas réussi. Du coup j'ai perdu énormément de games en Fight Club. Et du coup, bah... What the fuck, j'ai eu un bug. J'ai des bugs. Je sais pas trop comment je vais faire. Non mais faut que je le lance comme ça. Ouais, comme ça c'est bien. Ok, donc on va attendre le poisson. Donc j'ai pas mal joué sur Epic Cube. Je vais vous tourner des UHC, des UHC run, des UHC scénarisés, des trucs comme ça. Le problème c'est que j'ai des problèmes de disque dur en fait. Et du coup dès que je... Si je fais des vidéos trop longues, enfin je comprends pas tellement en fait, dès que je fais des vidéos trop longues où j'utilise pas mal de performances de mon ordi, genre quand je fais PVP. Là vous voyez, là c'est tranquille, je fais pas énormément de choses. Mais j'ai l'impression que c'est quand je PVP. Ah, un poisson. Oh mais je suis un autiste. Comment j'ai fait pour rater ça? Je crois qu'il était sur ma canne à pêche moi. Attendez, hop, on va se mettre là comme ça. Voilà. Donc ouais, j'essaie de vous tourner des trucs sur Epic Cube. Le problème c'est que quand je fais des parties PVP un peu longues de type UHC, bah déjà ça me fait laguer. Et c'est chiant. Du coup j'arrive pas à PVP. Et en plus bah ça me fait crash. Genre mon ordi s'éteint complètement et ça me sauvegarde pas ce que j'étais en train de faire. Du coup bah c'est un peu chiant d'avoir miné une heure et au moment où vous PVP bah de tout perdre. Du coup bah je peux pas trop tourner de game sur Epic Cube, du coup c'est surtout du Wonder Cube sur la chaîne. Je pense que c'est pas très bien, donc j'essaie de vous faire des trucs PVP mais c'est un peu dur pour moi. Donc je vais essayer de... en ce moment j'essaye de m'acheter un... Enfin je sais pas de m'acheter en fait. Faut que j'aille voir un technicien pour... Qui regarde mon ordi pour me dire s'il faut que je change le disque dur ou s'il peut régler le problème. S'il faut que je change le disque dur, bah je le changerai. Et je prendrai une SSD card. Donc justement il faut que je demande au technicien si c'est bien ou pas. D'en prendre une. Parce que en gros c'est pour améliorer toutes les performances et tout, apparemment c'est super bien. Donc j'essaierai d'en prendre une. Du coup on pourra se faire des bonnes petites vidéos PVP comme on les aime. Alors par contre ça met une heure à venir le poisson. On va continuer d'attendre. Ah bah voilà. Hop, on va pas refaire la même bêtise que tout à l'heure. Voilà notre... Ça s'appelle morue crue. Ok bah notre petite morue crue. On va la ramener à la maison. Oui. Ouais, et aussi donc il y a ça qui me pose un peu problème. Et aussi il y a une autre chose que j'ai réussi à faire sur la chaîne qui peut m'intéresser hein. Donc j'ai mis un petit bouton sur la bannière de la chaîne pour donner, si vous voulez me faire un don, ça s'appelle merci pour le soutien. Enfin je mettrai faire un don parce que c'est pas forcément compréhensible. Donc voilà, si vous voulez me faire un don du montant que vous voulez, hein,
Moi ça m'intéresse, écoutez, pour m'acheter mon disque dur. Parce que j'ai pas forcément de quoi l'acheter. Pourquoi je remonte, je sais pas. Donc voilà, si vous voulez me faire un don, vous pouvez le faire ici, ce serait vraiment cool. Si vous voulez pas, bah tant pis, hein, vous faites ce que vous voulez de votre argent, de toute façon. C'est vous qui voyez, si vous voulez pas, bah ça vous regarde. Hein. Je vais pas vous forcer à me donner de l'argent, écoutez. D'ailleurs, j'ai même pas monétisé ma chaîne pour ceux qui se demandent. Enfin, je l'ai monétisé, mais je comprends pas en fait comment ça marche la monétisation. Donc j'avais monétisé, mais j'ai pas de. Ça me donne pas de sous en fait. Et de toute façon, j'ai pas du tout de quoi recevoir de l'argent. Donc je fais pas énormément de 1000 vues. J'ai juste une vidéo. Enfin, j'ai 2-3 vidéos qui ont fait plus de 1000 vues. Mais voilà, après j'ai pas fait plus, donc franchement, même si j'arrivais à la monétiser, ce serait pas vraiment ce qui. Ça m'aiderait pas vraiment. Donc voilà. On a notre mort cuite, ça c'est cool. On va pouvoir du coup peut-être avoir ce coffre. Non. Non, bon, ça a grandi un petit peu. Du coup, on va pouvoir la bouffer après. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Maintenant, succès. Maintenant, faut clairement qu'on fasse les champs, hein, écoutez. Les champs, ensuite ce sera le diamant, ensuite ce sera le nether. Ouais, on avance bien, je sais pas comment ça va durer d'épisode cette série. En tout cas, moi je m'éclate bien à la tournée. Ah, on peut peut-être prendre le fer là. Non, toujours pas. Toujours pas. D'accord, en fait là. Ah non, non rien, j'ai rien dit. Hop, on va se faire un truc là, comme ça sera plus simple. On va voir si on a débloqué des autres coffres. On perd notre bouffe. Super vite, on est en normal. C'est pas possible, on peut pas être en normal. J'ai vu qu'on était en hard sur le truc. Donc on doit être en hard. Parce que vu la bouffe qu'on perd en faisant rien du tout, c'est un peu bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, donc du coup on va se faire notre petit champ. Je sais pas s'il vaut mieux qu'on le fasse ici ou en souterrain. Je pense qu'on va le faire ici, même si c'est un peu dangereux ici. Alors, ah, on a débloqué ce nouveau coffre. Une potion de chance persistance. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez quoi? On va aller sur le wiki. Je vais aller sur le wiki plutôt et je vais voir ce que c'est. Alors, du coup, on se retrouve tout de suite une fois que j'ai regardé ce que c'était, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, à tout de suite. Et re tout le monde, on se retrouve, donc je me suis un peu enfermé. J'ai regardé, alors apparemment c'est une potion donc de chance, comme son nom l'indique, mais qui affecte seulement les... quand on pêche en fait. Du coup c'est pas très très utile pour nous. Par contre, ce serait cool que cette petite plante se décide à pousser. C'est un peu chiant là, elle fout rien cette plante. On va essayer de le faire pousser direct comme ça. Ah bah voilà. Ah bah voilà, it's the best nut, it's best nut to cover the quartz, attendez, spawn block, moins 6 wear monument, reward de pierre. Ok, en gros, il faut pas couvrir ce bloc, d'accord, de toute façon ça casse automatiquement ce qu'on met dessus, donc on s'en bat les couilles, hop. Alors, on va prendre notre petite hache. Ça sert à rien de se faire une hache en fer pour l'instant, je pense. On va plutôt se faire une deuxième pioche. Ah oui, c'est vrai que j'arrive jamais à atteindre le haut de ce truc. Ok, ça c'est le moment chiant où le truc tombe pas au bon endroit. Ah ok, on a déjà 3 pouces. Voilà, on va essayer de se faire un deuxième arbre avec... Non, on va garder notre bonne mille. On va mettre nos trucs ici, on va se crafter une autre pioche. Hop. Moi ce que je voulais faire, c'était surtout un coffre en fait. Hop. Voilà, comme ça on a un coffre un peu plus grand. On casse cette magnifique tulipe, tant pis. Je suis triste un peu, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Ça on s'en fout, ça on garde. Ça on garde, voilà. Ok, là on est un peu mieux. Maintenant, est-ce qu'on a eu des pouces avec ça? Ah bah une autre pouce. Maintenant, bon, il faut qu'on fasse notre champ. Ça va être compliqué de faire notre champ par ici. Mais bon, tant pis. On a déjà deux d'eau. On va casser ce coffre. En fait, j'aurais tellement pu casser celui-là. Ça aurait été beaucoup plus simple. Hop, voilà.
va s'occuper d'ici. Voilà. Et je pense que on va le faire notre champ sur 4, donc le maximum possible, sans agrandir la terre. Je pense que ce sera bien. Alors, il nous faut ça déjà. Ah oui, bah, si on n'a pas de... En fait, on n'a pas de graines, du coup, ça sert un peu à rien. On va casser tout ça. Ah, attendez. On va garder notre ancienne pioche. On va casser toute l'herbe qu'il y a ici pour pouvoir avoir des graines. Oui, j'ai ouvert ce coffre. Allez, donnez-moi des graines. Mais justement, on va se faire des graines avec la bonne mule qu'on a. J'ai cru qu'on pouvait passer, mais en fait, non. Ok, alors... Hop. J'ai pas regardé vraiment le truc de chance, mais apparemment c'est que pour la pêche. Apparemment. 1, 2, 3, 4, donc ça jusque là. Et là, 1, 2, 3, 4. Du coup on peut aller jusque ici, mais dis donc. Du coup faut qu'on mette de la terre ici. Hop. Normalement notre petit champ peut irriguer jusque là. Bien sûr après notre champ le bougera hein, parce que c'est pas très beau. On va se l'accorder. On va casser. On va casser de la terre, genre cette terre là. Et on va foutre de la neige à la place. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça on a notre terre. Hop. Donc ça c'est bon. Alors, ah oui, c'est vrai que ça gèle, ça, j'avais oublié. On va se refaire un peu de torche. Par contre, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai laissé tout mon charbon en bas. Tant pis, alors, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire ça? Il nous faudrait... Je sais ce qui... Non, bon. Tant pis pour ces deux endroits. Il y aura des torches, c'est pour pas que la... Que la glace gèle. Enfin non, que l'eau gèle justement et que ça fasse de la glace. Ok, donc on met les pousses là. Notre bonne mille. Ah oui, on l'a pas utilisé, c'est vrai. Donc en fait... bon, fuck it. Tant pis. On n'optimise pas notre bonne mille, mais on s'en fout. J'ai la flemme de sauter sur mes champs là. J'avais totalement la flemme. Bon, du coup, alors... Tac, 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 tac. On en a 6, c'est déjà pas mal, par contre ça va faire fondre tout ça. C'est pas très grave, hein, on s'en fout un peu. Donc voilà, notre champ est lancé. Maintenant, bah, on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. Hein. Je sais pas comment je vais attendre ça, mais on verra bien. Je pense qu'on va commencer à faire, à prendre des arbres comme ça. Parce que je suis pas sûr, mais enfin, en fait, je sais que... En ayant l'expérience d'avoir fait plusieurs usines à bois sur Wonder Cube, je sais qu'il faut beaucoup plus de bonnes mille pour faire pousser un sapin que faire pousser un truc comme ça, en tout cas avec un distributeur. Donc peut-être que cet arbre-là est plus rapide à pousser du coup, je sais pas. On verra bien. Alors en fait là il me faudrait un spawner à squelette. Ce serait vraiment cool. On pourrait du coup s'agrandir notre champ assez rapidement. Alors on va regarder du coup les autres succès qui nous restent à faire. Succès. Donc à faire du pain. Du blé on pourrait l'avoir, du sucre on l'a pas, du lait on n'a pas, des œufs on n'a pas. Donc ça c'est mort. Ça il nous faudrait une vache mais on n'a pas. Chasseur de monstres là il nous faudrait un squelette mais on n'en a pas. Il nous faudrait un arc aussi. La pomme de notch je pense que c'est mort pour l'instant. Hein. Parcourir 1 km en wagonnet. Ça j'ai tellement la flemme de le faire. Je pense qu'on va se faire plutôt l'objectif des diamants. On va se faire ça. Donc il nous faut du diams. C'est parti, on va chercher du diams. Mais, attendez. Il nous reste 1 minute. 1 minute pour trouver du diams, c'est un peu chaud. Donc ouais, l'épisode touche à sa fin, là, clairement. Ouais, bah, du coup, on va s'arrêter là. Alors, on va pas commencer à faire quelque chose alors qu'il reste plus de temps. 7 minutes et 12 minutes. Ouais, bah, ça fait que c'est fini, en gros.
Donc voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis, et surtout à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Allez bye bye.